Pourquoi devons-nous prier pour notre pays? Spécialement, moi j'habite en France, alors je voudrais vous parler pour mon pays. Voici ce que la Bible dit, qui est la parole de Dieu. Timothée, chapitre 2, versets 1 et 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez que maintenant, notre pays, il y a une sentence sur notre pays que l'État islamique revendique de vouloir faire des attentats en France, en outre dans les métros et probablement ailleurs. Et ils vont recruter ces jeunes, justement, qu'ils endoctrinent, ceux qui sont dans le pays, qui reviennent en France, ou ceux qui sont en France, voyez. Comme vous avez déjà vu voir, tous ces attentats qui sont contre les Juifs. Alors, en plus, maintenant, à part ce sujet-là que vous êtes probablement très au courant avec ce qui se passe et ce qu'on nous dit à la télévision, mais en plus de ça, vous devez voir que la France a des grands problèmes vis-à-vis de la situation politique, gouvernementale, climatique, crise économique, vous savez que ce soit François Hollande qui soit là ou qu'en 2017, il y aura un autre, que ce soit peut-être Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ou François Fillon ou je ne sais quel président. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un problème. Un problème sur problème, ce n'est pas des sauveurs. Ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils peuvent. La France est tellement embourbée dans des gros problèmes. Déjà, cette Union européenne, c'est une vraie malédiction. Je dois vous le dire honnêtement, c'est une malédiction pour l'Europe en entier. Et c'est beaucoup. Et aussi, autre chose qui est une grande malédiction sur le monde, c'est l'ouverture de faire du marché mondial, voyez, ça veut dire on fait du marché mondial, tout est ouvert. Alors on transfère une industrie qui était en France, on la délocalise dans un pays où ils gagnent à peine 20 ou 30 centimes de l'or, que chez nous ils en gagneront 15. Alors vous voyez qu'il y a une injustice, une inégalité en tout point de vue. Et ça coupe du travail, ça ferme des entreprises et beaucoup de gens se retrouvent à la rue, qui n'arrivent même plus à retrouver de l'emploi. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'un gouvernement peut faire devant déjà cette libération des marchés mondiaux? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et deuxièmement, ce qu'on vient de recevoir, c'est qu'ils veulent faire du libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Alors bien entendu, toutes les grosses compagnies vont venir s'installer comme ils se créent actuellement, vous devez le savoir, sur l'audiovisuel. Ça met à plat les entreprises en France ou en Europe parce qu'ils sont très, très puissants. Les Américains sont très puissants, ils ont les moyens, ils savent comment faire, ils ont la technologie. C'est une chose qui aurait jamais dû être faite. Mais nous, on ne peut rien faire parce que c'est Bruxelles qui décide. Alors que le président qui soit là, il n'a pas toujours son mot à dire à Bruxelles. Que ce soit tel président ou tel autre qui va venir, c'est pour ça que je vous dis, cette histoire d'unification-là avec l'Europe, c'est une vraie malédiction. Et peut-être vous n'allez pas y croire, il y a beaucoup d'hommes politiciens qui vous disent non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai pour des entreprises qui sortent leur aiguille de la motte de foin, mais pour la plupart des gens, c'est vraiment, ils sont très, très pénalisés, très pénalisés. Très pénalisé. On ne va pas rentrer tout dans les problèmes d'Europe. C'est pour ça qu'actuellement, vous devez aussi le savoir avec ces lois qui étaient
instaurée dans beaucoup de pays, pas juste le nôtre, sur le mariage homosexuel, après l'adoption, et après ci, et après ça, quoi, on n'en sort plus. Alors comment voulez-vous que le Seigneur vienne bénir un pays comme le nôtre, ou vienne bénir d'autres pays? C'est impossible. On reçoit un jugement. Et quand je vois la France aller comme elle va, je me dis, mais même beaucoup de personnes disent, mais on vit des jugements. Mais vous me direz pourquoi d'autres pays ont adopté ces lois-là, mais ils sont pas aussi affligés que la France. Je ne pourrais pas vous expliquer, vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas Dieu, mais je sais que nous, la France, on est très impactés. Déjà, point de vue climatique, et ce n'est pas fini. Je vous le dis, ça fait déjà longtemps que je regarde ce problème climatique qui est venu sournoisement. Et ça n'arrête pas. Depuis 2 ans, ça n'arrête pas. Si ce n'est pas les tempêtes en hiver du côté des côtes Bretagne ou n'importe, c'est après ça les débordements de rivières qui envahissent, qui font des dégâts immenses. Expliquez-moi, quel est le pays qui est aussi impacté comme la France actuellement? Ben, oui, il y a certains endroits en Europe, ça arrive, mais en France, c'est du non-stop. C'est du non-stop. Encore l'autre jour, je me disais, tiens, ben, tant mieux, on est un petit peu tranquille pour un certain temps avant que ces inondations. Je n'ai pas eu le temps de dire ça qu'une semaine après, arrivaient les grandes inondations vers Montpellier. Et après ça, c'était ailleurs. Alors, voyez. Alors, quand on dit qu'il faut prier pour notre pays, est-ce qu'il faut prier? Oui, il faut prier. Parce qu'on est mal parti. Dans tous ces problèmes, on est mal parti. Et ne cherchons pas un appui. J'attends que mon église en prie pour de temps en temps pour la France. Ou j'attends d'une telle association. Non, c'est individuellement qu'il faut prier. Et ça, je vous conseille de le faire chaque jour. Chaque jour. Moi, je sais que le Seigneur me l'a mis, hein, dans le cœur. Hein. Il m'a dit, tu vois les problèmes sur ton pays. J'ai dit oui. Oui, je le vois. Parce que moi, je n'aimais pas la France. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'étais élevée beaucoup plus style Suisse. Moi, j'aime beaucoup la Suisse. Hein. Pour moi, c'est mon pays que j'aime. D'abord, j'ai des racines suisses, excusez-moi. Par ma famille, pour moi, la Suisse, c'est mon petit. Mais le Seigneur m'a fait naître en France. Par contre, ma sœur est née à Genève. Pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'était comme ça dans le temps. Bon, moi, je suis née en France. Le Seigneur m'a fait voir. T'es pas né en Suisse, t'as pas la nationalité suisse, t'as la nationalité française. Alors qu'est-ce que c'est ta responsabilité? Ben, le Seigneur me l'a fait voir dans mon cœur que je vais prier pour mon pays. Et il me dit avant de te plaindre de ton pays, parce que oui, il y a de quoi de voir, il y a quoi de se plaindre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis pas dans la politique, puis même si j'étais dans la politique, c'est tellement sous des hauts niveaux, même vous pourrez me dire ça vient de la franc-maçonnerie, ça vient de ci, ça, peu importe d'où ça vient. On ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Et de prier pour notre gouvernement, pour que ces présidents comme François Hollande, il est le chef des armées, que le Seigneur lui donne sagesse, qu'il ne s'embarque pas la première des frappes aériennes, parce que les États-Unis sont très malins. Ils veulent frapper, mais ils veulent s'embarquer des gens avec eux. Pour ne pas qu'on les mette trop coupables, oh, c'est eux les grands méchants, mais que d'autres pays aussi on peut les rendre coupables. Et que quand il y a des attentats, que ce ne soit pas juste l'Amérique qui va en subir, c'est les autres pays qui vont en subir. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord pour les frappes que la France fait en suivant les États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui ne se sont pas embarqués là-dedans, qu'on dit non, on préfère donner des armes, mais on ne va pas aller prendre nos avions puis bombarder parce qu'on sait qu'on va avoir des attentats en retour. Et je comprends que beaucoup ont peur. Et même financièrement, ça coûte énormément d'argent. On ne se rend pas compte combien ça coûte de l'argent, ces bombes et ces envois. Alors c'est pour ça qu'il y en a un qui est contre, vous devez savoir, c'est. Comment il s'appelle, un des premiers ministres
Je l'ai plus dans ma tête, mais il est contre. Et il y a certaines personnes qui sont contre parce qu'on va pas s'en finir. On va pas fi D'accord qu'on frappera des grandes cibles, mais c'est une guerre d'haleine, ce qui veut dire il faut être sur le terrain. Et même si ce groupe-là islamique, un jour on peut les anéantir, il y aura toujours un autre qui va ressusciter. Un autre, mais celui, l'État islamique, il est plus dur parce qu'il a un financement qui dépasse l'incompréhension. Bon, vous avez dû suivre sur les nouvelles qu'ils ont pu avoir leur financement par différents moyens. Alors, prions pour notre pays parce que je ne sais pas où on va aller, on est mal pris. Alors, je vous invite vraiment à prier pour la France, pas juste une fois de temps en temps, mais tous les jours, déjà pour notre sécurité. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants. Alors, le jour où je meurs, je pars. D'accord? Par contre, vous, si vous avez des enfants et des petits-enfants, réfléchissez bien. Quelle France allez-vous laisser à vos enfants et vos petits-enfants? Pensez-vous pas qu'il est important de prier? Et de prier aussi pour la conversion de vos enfants. La plupart des enfants de chrétiens préfèrent plus le monde que suivre Jésus-Christ. Et encore les petits-enfants, la même chose. Parce que c'est tellement fort l'esprit du monde, tellement fort. Alors, comment voulez-vous? Il faut prier. Il faut prier. La prière renverse les murs. La prière fait quelque chose, peut-être nous on ne le voit pas sur le moment, et il faut être persévérant, même si ça doit être jusqu'à la fin de votre vie, faites-le jusqu'à la fin de votre vie. Moi je sais que ça fait déjà bientôt un an que le Seigneur me met à prier tous les jours, il y a des fois je suis moins disposée ou pas, peu importe, je le fais. Tous les jours, avec intensité ou pas intensité, peu importe, faut pas que je lâche un jour. Un jour, je prie pour d'autres choses, mais je mets surtout la France. Le Seigneur me l'a fait voir, de mettre cette France, qui est une pauvre malheureuse. Alors, prions pour ça, c'est très important. Moi, le Seigneur me l'a fait voir, je ne peux pas vous le dire comment d'autres, il me l'a fait voir. Alors, je vous laisse, et puis j'ai ouvert mon cœur sur la situation. C'est une analyse, on pourrait dire, mais aussi une réflexion. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec ce que je dis, mais revenons-en. C'est important de prier pour notre pays, et surtout si vous avez de la famille, des enfants et petits-enfants. Qu'allez-vous laisser comme pays derrière vous? Qu'allez-vous laisser comme pays derrière vous? Alors, je vous laisse et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.